Les activités culturelles et artistiques du Bas-Canada sont très différentes d'aujourd'hui. Il n'y a ni cinéma, ni spectacle, ni télévision, ni radio, ni grand festival. On chante, on danse et on s'amuse surtout en famille et entre voisins, comme on le faisait déjà à l'époque de la Nouvelle-France. Quelques grandes activités culturelles, comme le théâtre, commencent à faire partie de la vie des habitants du Bas-Canada. Des troupes de théâtre provenant d'Europe viennent présenter des pièces. Au niveau de la musique, nous sommes très loin de Musique Plus. La création musicale est encadrée par l'Église. Les compositions musicales sont écrites pour accompagner les cérémonies religieuses. Il y a quand même quelques musiciens, comme le violoneux Joseph Quesnel, pour écrire des pièces plus entraînantes. Les gens apprécient aussi beaucoup les fanfares des officiers militaires. Comme bien peu de gens savent lire et écrire, il n'y a pas beaucoup d'écrivains. Mais certains deviendront célèbres, par exemple Philippe Aubert de Gaspé. Les plus grands artistes du Bas-Canada sont certainement ceux qui travaillent de leurs mains pour créer différents objets. Par exemple, les ébénistes qui travaillent le bois pour en faire des meubles ou des sculptures remarquables. Ils ont décoré plusieurs églises et leurs réalisations y sont souvent encore présentes de nos jours. D'autres étaient orfèvres, des artisans qui travaillent les métaux comme l'or et qui fabriquent des objets utilisés lors des cérémonies religieuses. Aujourd'hui, ces trésors sont dans les musées.